Je m'appelle Anna Zavgorodnaya, je suis la chef de service. Quand on est hospitalisé, on n'est plus chez nous. Donc, on perd le confort de notre maison. On n'a pas nos proches à côté de nous à 24 heures sur 24. Et là, la routine se change. Donc, c'est très difficile pour les patients d'être à l'hôpital dans le sens qu'on n'est plus chez nous. Si on est capable d'améliorer la vie, de faciliter la trajectoire de nos patients, de faciliter un petit peu l'hospitalisation pour les autres et prendre un petit peu soin des autres, pas juste physique, mais aussi psychologique et mental, je pense que tout le monde est gagnant. Les patients demandent souvent, « Pourriez-vous m'apporter une couverture chaude? » Malheureusement, présentement, on devrait répondre, « On n'en a pas. » Mais j'aimerais dire à nos patients, j'aimerais que mon équipe dise aux patients, oui, je vais aller chercher un pour vous. Donc ça va donner vraiment beaucoup de confort à nos patients. Je pense que donner à la Fondation, c'est s'impliquer dans la vie. S'impliquer dans la vie de la société au complet. Selon les statistiques, un Canadien sur deux va développer le cancer durant sa vie. Donc donner à la Fondation, c'est vraiment pas investir à quelqu'un, c'est investir dans votre vie, c'est investir dans la vie de vos proches. Donc, c'est pour ça, je pense, c'est important de donner à la Fondation pour s'impliquer dans la vie des autres et dans votre propre vie.